Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau top sorti. Ça baigne ? On est presque au milieu de l'été, certains d'entre vous sont déjà sur les plages, d'autres attendent encore leur tour. C'est donc un bon moment pour faire le point et voir les jeux dans lesquels se plonger cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche et à vous mettre à l'aise. On attaque tout de suite. On commence cette semaine avec un titre qui sent bon l'actualité des séries. Stranger Things et son adaptation vidéoludique ne vous ont pas comblé. Il vous en faut plus, vous allez être servi. The Blackout Club est un jeu de survie en coopération dont le but est de réunir des preuves des choses qui se produisent dans un village généré aléatoirement. Seulement, un ennemi invisible s'y terre et ne compte pas vous laisser vous en tirer indemne. A vous d'échapper à la vigilance de ces sbires, silhouettes humanoïdes creuses parcourant les rues ou drones survolant l'ensemble à la recherche des bruits et de vos mouvements. N'éveillez pas la menace qui plane sur cette bourgade où vous allez à votre tour avoir à chasser ceux qui furent vos alliés. Celui-ci est mon coup de cœur pour cette semaine. Pas forcément évident d'expliquer Forager de prime abord. En vrai, il s'agit d'un jeu de survie. Motif récurrent, on dirait. Indépendant et en 8 bits à la croisée des chemins entre Zelda, Stardew Valley, The Binding of Isaac et Enter the Gungeon. Pour survivre et surtout prospérer, il vous faudra acheter et parcourir différentes cartes, compléter divers puzzles et réunir des ressources afin de créer et améliorer vos infrastructures et arsenals. Un concept addictif et qui a fait ses preuves. Wolfenstein passe en coop. L'aventure est un peu une suite et un spin-off qui se passe une vingtaine d'années après The New Colossus. On y incarne les filles de Blazkowicz, le héros de la série originale, justement sur la trace de leur père, dans un Paris tombé sous le joug des nazis. Il vous faudra donc coopérer afin de mener des assauts coordonnés sur les forces ennemies, dans le plus ouvert des titres de la franchise à ce jour. Un détail, d'après les dernières nouvelles, la version Switch délivrée par Panic Button est un véritable miracle. Je ne fais que citer. Allez hop, amateur d'animé, c'est votre tour. L'étrange mais sympa. Enfin, surtout la première saison, juste mon avis. Kill la Kill va avoir le droit à une adaptation en jeu vidéo. Bien entendu, vu son pitch, jeu de baston oblige. Arc System Works, après Dragon Ball Fighters, nous propose un arena fighter avec les combattants ou les combattantes de cette série survitaminée. On y suivra non seulement les péripéties de Ryuko Matoi sur les traces de son père. Motif récurrent, on dirait. Mais également les moments clés de la série, ainsi que quelques chapitres inédits, chapeautés par Kazuki Nakashima, le créateur du show. Un must-have pour les fans. Pas grand monde en a quelque chose à faire, mais j'adore les jeux de rythme pour une raison que j'ignore moi-même. Alors forcément, quand j'ai vu ce titre d'une manière, il allait finir dans ma liste. Songbird Symphony est un 2D platformer entremêlé de jeux de rythme. On y incarne un jeune oiseau en quête d'identité. On va dire aussi qu'il cherche son père, pour la cohérence générale. Et qui part donc pour une aventure rythmée. Ce qu'il faut retenir, putain mais c'est trop mignon! Notez qu'une démo gratuite peut être jouée directement depuis un navigateur, alors donnez-vous-en la peine. Mais comment ne pas être chaud? Pour la première fois depuis la Wii, Fire Emblem revient sur console de salon et sous un format inédit. Oui, parce que oui, la version Wii est... Et il s'en est passé des choses depuis. Avec la renaissance de la franchise avec Awakening sur 3DS, oui, Fire Emblem Three Houses semble être plein de promesses. Bon, pas uniquement, puisqu'on retrouvera quand même pas mal d'éléments connus. Ainsi, on se retrouve comme d'habitude sur un continent en proie à la guerre. Instructeur, votre avatar dans ce nouvel épisode, enseigne l'art de la guerre aux jeunes nobles de trois pays environnants. C'est sur vos choix et vos alliances que l'avenir de Fodlan, le continent qui accueillera cet épisode, va reposer. De la guerre, de la romance, de la réflexion, de la guerre, de l'animation et de la guerre. Mais putain, on signe où ?
Et voilà, merci d'avoir suivi ce dernier épisode de Top Sortie, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, simplement également à partager les jeux que vous attendez le plus dans la section commentaires. Nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était LD, à plus.